Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'articulation de l'examen psychologique avec l'approche diagnostique à travers un cas concret. Voilà, que je voudrais partager avec vous. Donc je vais d'abord introduire un peu mon propos et puis ensuite on passera au cas de cet adolescent que j'ai nommé Ben. Voilà. Donc l'examen psychologique, ça fait référence aujourd'hui, enfin c'est tout le monde est d'accord sur le fait que ça fait partie des activités centrales du psychologue. En tout cas, Claire, ici présente, ne démentira pas ce que je dis. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été menés. Je pense récemment à la conférence de consensus sur l'examen psychologique de l'enfant. Alors, la question que j'avais envie de partager avec vous à travers ce cas concret, c'était celle de l'articulation entre le bilan et l'approche diagnostique. Dans la pratique quotidienne, les bilans sont souvent demandés aux psychologues pour contribuer à un diagnostic médical. C'est bien sûr pas le seul usage qu'on peut faire du bilan psychologique. Le psychologue, quand c'est dans un cas facile de collaboration, je dirais, ce qui n'est pas toujours, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, va être un véritable collaborateur qui va apporter sa pierre à l'édifice et faciliter la compréhension de l'enfant dans sa complexité ou de l'adolescent, bien sûr, aussi dans sa complexité. Donc cette illustration porte sur une collaboration médecin-psychologue. Elle a lieu à travers une demande de bilan psychologique qui va croiser l'appréhension du fonctionnement intellectuel de cet adolescent et l'appréhension de son fonctionnement, du fonctionnement de sa personnalité, en tout cas tel qu'il peut être saisi à travers des épreuves projectives. Il y a bien sûr plusieurs méthodes d'interprétation des tests projectifs. Pour ma part, je me réfère aux méthodes qui sont celles de l'école dite de Paris, qui compte parmi ses promoteurs des personnes dont on a parlé aujourd'hui, Nina Roche de Traubenberg, Catherine Chabert, Michel Emmanueli, et plus récemment Catherine Azoulay et Jean-Yves Chagnon. J'ajoute que la référence théorique de cette vignette est celle de la psychopathologie psychanalytique. C'est selon moi une approche qui n'exclut en rien les autres, mais qui permet de rendre compte, en tout cas pour ce qui me concerne, de la dynamique du sujet, de le resituer dans la complexité de sa construction, la singularité de sa situation personnelle, familiale et sociale. Alors, je vais vous parler de Ben maintenant. C'est un adolescent de 13 ans qui m'est adressé en cours d'année scolaire sur recommandation d'un pédopsychiatre avec lequel nous travaillons. Le père de Ben a sollicité le médecin spécialiste car il a été alerté par le collège à propos du comportement de son fils. Ben est actuellement en quatrième et depuis quelques semaines, l'attitude du jeune adolescent a changé. D'ordinaire assez calme, il est à présent dissipé en classe, bouge beaucoup sur sa chaise, sans arrêt, il a du mal à se concentrer. Il est impatient, se précipite pour répondre aux questions. Ses résultats scolaires n'ont cependant pas chuté, il est dans la moyenne de sa classe, même s'il a tendance à mieux réussir dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Le contexte familial dans lequel vit Ben est celui de parents séparés. Donc, j'apprends au cours de l'entretien que Ben vit depuis environ 18 mois chez son père, puisque autour de ses 11 ans, il habitait chez sa mère, et autour de ses 11 ans, il a préféré aller vivre chez son père. Donc je comprends progressivement au cours de cet entretien que finalement, depuis qu'il est entré au collège, il a connu trois établissements différents. Un premier établissement donc en sixième, puisqu'il habitait alors chez sa mère. Ensuite, il est parti habiter chez son père. Il a passé l'année de cinquième dans un premier collège. Et puis enfin, les parents, trouvant ce deuxième collège plutôt pas au niveau de leur enfant, pas adapté à leurs objectifs, ont changé Ben d'établissement pour le mettre dans un établissement privé. Donc en somme, pour résumer, trois années de collège, trois établissements différents.
Bon, j'ai quelques éléments sur l'enfance de Ben. C'est un enfant qui, visiblement, n'a pas posé de problème particulier. L'intégration à l'école s'est faite convenablement. Les premières acquisitions, la propreté, la motricité, etc., tout semble harmonieux. On note juste un léger retard de langage qui a été évoqué par les parents. Et je comprends que Ben a été suivi, lors de l'année de grande section de maternelle, a été suivi en orthophonie. Alors, la séparation des parents est intervenue quand il avait 3 ans. Elle s'est passée dans un contexte que je comprends très conflictuel, dont les parents ne parlent pas explicitement. La relation est aujourd'hui apaisée, puisqu'ils arrivent tous les deux à venir ensemble pour leur fils. Je comprends que la situation a changé, mais en tout cas, ça a été très compliqué. Il n'est pas non plus évoqué de possibles effets de la séparation sur le comportement des enfants ou par rapport à Ben. S'agit-il d'une retenue volontaire de la part des parents ou d'une difficulté d'accès à leur représentation ou à leurs affects, je ne suis pas en mesure pour le moment d'en comprendre grand-chose. Donc je reste un petit peu avec cette interrogation. C'est pareil concernant le récent changement de domicile de Ben. C'est évoqué à mots couverts. Il y a eu des éléments très conflictuels, visiblement, avec sa mère. Il a préféré l'habiter chez son père. Rien n'est dit de spécifique par rapport à ça. Alors, lors de cette première rencontre, Ben se présente comme un adolescent d'allure sympathique, une bonne bouille, des lunettes, un petit garçon mignon comme tout, au contact assez facile. Il est souriant, pas tellement impliqué dans ce que ses parents rapportent. Je lui demande comment ça se passe au collège, comment ça se passe dans sa vie, est-ce qu'il a des copains ? Oui, ça va, tout va bien, il aime bien les maths, il aime bien les sciences. Bon. Il préfère d'ailleurs ces matières-là aux matières littéraires. Bon, pourquoi pas. Il a des activités extrascolaires, il fait du sport, il aime les bandes dessinées. Bon, que demander de plus ? Au fond, je n'ai pas vraiment d'éléments particuliers à ce moment-là. Les signes qu'avaient évoqués les parents, manque de concentration, instabilité en classe, me semblent assez mineurs. Il a quand même été adressé par un collègue, donc c'est que quand même quelqu'un en amont s'est posé aussi des questions. Et je me dis qu'au fond, ces éléments peuvent embrasser tout le spectre du normal au pathologique. Plusieurs hypothèses me viennent. L'histoire récente de Ben est marquée par plusieurs changements et par des conflits avec sa mère. Est-ce que ces conflits et ces changements, et dans quelles proportions, peuvent-ils avoir un effet sur son comportement actuel ? S'agit-il de manifestations liées à des difficultés cognitives ou au processus de l'adolescence ? C'est une question que je me pose. L'enfance de Ben est marquée par des difficultés d'accès au langage et par la séparation compliquée des parents. Est-ce que ces éléments ont eu un effet délétère sur son développement ? Dans ce cas, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une vulnérabilité plus profonde révélée par l'avènement de la puberté ? Bon, devant le contexte familial, les éléments développementaux, la question de l'adolescence de Ben, nous convenons de l'intérêt d'un bilan psychologique approfondi, donc qui comporte la passation d'une échelle de WISC 4 et de tests de personnalité, qui seront le Rorschach et le TAT. Cette proposition, naturellement, est expliquée aux parents, ils en sont informés. Je présente aussi les tests, peut-être pas tout à fait de la même façon que vous, mais bon, j'en parle aussi. Et en tout cas, la proposition du bilan retient l'accord des parents et aussi, bien sûr, l'accord de Ben. Je le revois donc une seconde fois pour la passation d'un WISC. Je vais vous présenter des résultats succincts à cette heure avancée de la journée. Je pense que je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais je vais livrer quelques points d'analyse qui me semblent importants pour articuler ma pensée. Voilà, donc je vous ai présenté la première feuille du cahier de passation pour qu'on puisse la suivre ensemble. Alors, au niveau des éléments cliniques, c'est un enfant qui participe volontiers à l'épreuve, il est attentif aux consignes, persévérant dans ses efforts,
il n'y a pas de commentaire particulier devant les subtests et son état émotionnel est plutôt assez constant. Je perçois toutefois un léger malaise devant les épreuves verbales. Ben, qui était alors plutôt impliqué, est pris de bâillements soudains, gigote sur sa chaise. Tiens, tiens, un peu comme en classe. L'épreuve de complètement d'image provoque elle aussi les mêmes effets. Alors, du point de vue quantitatif, le profil que vous pouvez voir là sur le PowerPoint est globalement homogène, malgré une disparité significative entre la note obtenue à l'indice de mémoire de travail et les autres indices. Ça a été quand même artificiellement gonflé par la mémoire des chiffres qui est très élevée puisqu'elle est à 16. Le résultat en complètement d'image, quant à lui, est donné à titre indicatif puisque c'est un subtest optionnel. À l'intérieur des indices, les notes standards se répartissent elles aussi de manière assez homogène, à l'exception naturellement de la mémoire des chiffres qui est toujours très haut. D'un point de vue qualitatif, bon, c'est un enfant qui me semble globalement assez bien fonctionné. J'ai des capacités d'analyse et d'organisation spatiale qui sont bonnes. Le résultat en cube est un petit peu chuté. C'est essentiellement à cause d'un facteur temporel, parce qu'il ne prend pas tellement en compte le temps limité. Il ne bénéficie pas de bonification. Mais globalement, il s'organise très bien et il arrive à finir les modèles qui lui sont proposés sans erreur. Les capacités d'attention et de concentration sont bonnes, contre toute attente, puisque les questions, ou en tout cas les troubles mineurs avec lesquels ils sont arrivés, pouvaient justement faire évoquer quelque chose d'un trouble de l'attention et de la concentration. En mémoire des chiffres, tout est bon, que ce soit l'ordre direct ou l'ordre inverse, c'est exactement dans les mêmes proportions. Le raisonnement fluide fonctionne très bien, les capacités d'abstraction s'exprime facilement, qu'il s'agisse du domaine verbal ou du domaine perceptif. Toutefois, malgré des résultats qui sont globalement dans la moyenne, les épreuves verbales suscitent une légère dégradation, je l'ai dit, dans l'attitude de Ben. Il est plus nerveux, moins assuré dans sa démarche, il bâille, il bouge sur sa chaise. Son expression oscille entre des explications très synthétiques, très précises, et des réponses plus floues, voire parfois étonnante. Alors, il n'est pas rare à son âge, les personnes ici qui font passer des WISC le savent bien, d'avoir effectivement des niveaux d'abstraction variables, en particulier en vocabulaire ou en similitude, chez des enfants de cet âge-là. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il arrive à maintenir des réponses qui sont plutôt adaptées, en grande majorité, mais pour certaines, assez incohérentes. Alors, je vais vous livrer quelques exemples très précis, hein, qui... Par exemple, à similitude, je lui demande de m'expliquer en quoi le coude et le genou se ressemblent. Et alors là, il répond « c'est des os qui permettent de faire bouger quelque chose ». Bon, réponse qui me semble confondre ce qui peut être mobile et ce qui peut être immobile. Il peut, en même temps, répondre sans hésitation que la colère et la joie sont des sentiments, ce qui est une réponse plutôt mature. En vocabulaire, je demande à Ben de m'expliquer ce qu'est un nénuphar. Il répond « c'est le bébé de la grenouille », qui est une réponse qui me semble fonctionner sur un registre pratiquement métonymique et en tout cas de confusion des règnes entre l'animal et le végétal. Mais il peut aussi expliquer avec clarté et assurance ce qu'est une île et obtenir 2 points à cette réponse. Pareil à l'épreuve de compréhension verbale. À l'épreuve de compréhension, pardon, quand je demande à Ben pourquoi les policiers sont en uniforme, il précise « sinon on ne serait pas et s'ils font une bêtise, on pourrait les frapper ». Les uniformes, c'est pour faire peur aux gens. Alors, je vous rappelle que les notions attendues par le manuel sont des notions qui ont à faire avec la reconnaissance, la capacité de reconnaître donc les policiers et leur autorité. Et ici, visiblement, les notions attendues de reconnaissance et d'autorité cèdent le pas à l'ignorance, on ne serait pas, à la violence et à la peur. Le comportement est à peu près le même à complètement d'image. Ben est moins à l'aise et là, pour le coup, il livre un commentaire. « C'est dur, me dit-il. »
Puis il m'adresse directement une question pour s'assurer de ma présence et pratiquement solliciter un étayage. C'est obligé qu'il manque quelque chose ? Je lui réponds, la consigne, j'étais un peu, voilà. Ben semble beaucoup plus sensible à ce subtest. Est-ce que ses capacités d'analyse se trouvent malmenées par l'épreuve ? Est-il en difficulté quand il s'agit d'aller du global vers le détail ? De comparer une image perçue et une image mentale ? Voilà l'ensemble des questions que je peux me poser. D'un point de vue clinique, je rappellerai que l'épreuve de complètement d'image est une épreuve où on sollicite l'enfant sur des images incomplètes et qui met beaucoup à l'épreuve la relation de l'enfant à ce qui est absent et sollicite le rapport à l'intégrité corporelle. Ben livre d'ailleurs des réponses peu précises, voire curieuses compte tenu de son niveau, puisqu'en fait l'épreuve consiste à pointer, mais on peut aussi commenter. Par exemple, pour la cloche, il manque le gong, enfin ce qui permet de faire sonner la cloche. Il désigne correctement ce qui manque, mais il indique la cloche à l'intérieur, confondant là encore quelque chose entre le dedans et le dehors. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce WISC 4, mais bon, je dirais globalement, j'ai un temps limité, donc on ne va pas pouvoir livrer une étude exhaustive. En tout cas, le fonctionnement intellectuel me semble assez homogène, cohérent avec la classe d'âge de Ben, même s'il est plutôt gonflé par le bon score en mémoire des chiffres. L'attitude de Ben est plutôt adaptée, mais il me semble quand même qu'elle se dégrade dans le domaine verbal et à complètement d'image. Alors, selon moi, on peut écarter d'ores et déjà l'hypothèse d'une difficulté cognitive avérée chez cet enfant ou d'un trouble de l'attention ou de la concentration. Mais comment comprendre cette agitation avec laquelle il est venu ? Est-ce qu'on peut la comprendre par rapport au processus de l'adolescence ? C'est une question qu'on peut se poser. La passation des épreuves projectives va nous permettre d'apporter une ouverture sur la dynamique de son fonctionnement psychique. Alors, donc j'ai fait passer un Rorschach à Ben lors d'une deuxième séance. Encore une fois, pour la clarté de l'exposé, je vais en livrer une analyse très restreinte, hein, vraiment quelques exemples. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur ce Rorschach et sur le TAT qui suivront. L'épreuve consiste, comme vous le savez, à proposer donc des planches, un matériel informel à l'enfant ou à l'adolescent, même à l'adulte, et de lui proposer, en tout cas pour la consigne qui est celle que Didier Anzieux a préconisée, de dire ce qu'il imagine, ce à quoi ça lui fait penser. Donc le nombre de réponses est plutôt limité, mais aucune des planches n'est refusée. Une première impression concerne l'état dans lequel je me trouve plongé en écoutant les réponses de Ben. Je ne pourrai pas, pour des questions de temps, vous lire tout le protocole, mais bon, je suis quand même habité par un sentiment que ces réponses me sont très difficiles à comprendre. Elles me paraissent peu lisibles, peu fluides, arides. Les contenus proposés par Ben sont souvent composites. Les êtres qu'il voit sur les planches sont souvent méchants et hostiles. La dimension projective de ce protocole, voire trop projective, m'apparaît d'abord sous la forme de l'éprouver, d'un certain malaise. Ben, de son côté, semble très détaché de ses productions. Il ne manifeste aucune participation affective en évoquant des situations bizarres ou des êtres méchants et maléfiques. Il est dans ce qu'on pourrait appeler une certaine indifférence. Ce premier mouvement m'invite à poser l'hypothèse de mécanismes de défense assez primaires qui sont réactualisés par la situation du test psychologique et en particulier du Rorschach. Ces défenses primaires sont de l'ordre du clivage et de l'identification projective, selon moi, hypothèse que je mettrai à l'épreuve de l'analyse du protocole, bien entendu. Alors, dès la première planche que je vous ai montrée ici, il nous livre une réponse qui me semble illustrer les propos que je viens de vous présenter.
Il indique un papillon et il est plus gros que les autres. Il est énorme et il a l'air méchant. Il a deux petits bras comme s'il voulait étrangler quelqu'un. À la passation des autres planches et en analysant le Rorschach, donc dans un second temps, je constate que Ben, dans ses processus de pensée, procède souvent par agglomération de plusieurs éléments pour former une réponse globale. Toutefois, il y a une inadéquation formelle de sa réponse. C'est-à-dire les réponses sont souvent cotées en F- pour les gens qui techniquement sont un petit peu au fait des tests projectifs. La tentative de regroupement est mise en échec par l'inadéquation formelle, justement. Les contenus sont souvent issus d'un monde fantastique, mais sont souvent hétéroclites et caractérisés par le mélange des genres. Ben combine les animaux, et les humains, les objets inanimés et les êtres vivants. Alors je vais vous montrer la planche 5, voilà, qui est la planche qu'on considère comme étant une planche centrale par rapport aux questions d'identité. Et là, il répond qu'il s'agit d'une sorte d'animal qui vole et qui a des ailes, des pieds et des antennes, mélangeant ainsi les règnes humains et animal. À la planche 6, une de ses réponses, livrée en deuxième, un animal empaillé pour les tapis. Réponse qui condense le mort, le vivant, l'inanimé. Je constate en établissant le psychogramme, donc en regroupant les facteurs suite à l'analyse et à la codification du Rorschach, que la plupart des facteurs adaptatifs sont chutés. Le F+, le F+, élargi, la plupart des facteurs se trouvent sous les normes. Cela confirme la précarité des processus de pensée dans leur cohérence avec la réalité. Le protocole contient aussi des réponses avec mouvement, qu'on appelle des réponses kinesthésiques, et qui témoignent d'une potentialité créatrice intéressante dans l'activité de pensée. Mais, parmi ces trois réponses kinesthésiques, une seule a un caractère adéquat. Les autres ont toujours une tonalité étrange et confuse. Ainsi, à la planche 10, Ben livrera la réponse suivante. Une femme et des insectes à droite et à gauche qui lui enlèvent ses vêtements. Il la déshabille. Ainsi, on peut penser que l'investissement de la pensée est infiltré par des processus anxiogènes qui fragilisent la dimension adaptative et les capacités de réflexion. Ces éléments sont projetés dans des réponses où le mauvais apparaît très souvent séparé du bon, c'est-à-dire sous forme de clivage. On sait depuis les travaux de Catherine Chabert que le Rorschach est une épreuve identitaire, mettant à l'épreuve la qualité de la représentation de soi et son intégrité. Cette problématique est particulièrement vive à l'adolescence quand il est question de faire face aux transformations corporelles, aux bouleversements pulsionnels et aux problématiques de perte. À cet égard, le protocole de Ben met en évidence plusieurs indices de vulnérabilité identitaire. Premier indice, beaucoup de réponses sont assez inadaptées en F- et marquent des tentatives d'utiliser la réponse globale qui ne fonctionne pas. À la planche 3, la première réponse livrée, donc je ne l'ai pas, je l'ai pas là, il avait répondu qu'il s'agissait d'une tête avec des yeux et c'est une fille, elle a des couettes à droite et à gauche, ce qui est une réponse considérée comme rare ou inadéquate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux contenus hybrides dans ce protocole qui mélangent le sujet et l'objet, le dedans, le dehors, comme la réponse qu'il avait livrée à la planche 5. C'est une sorte d'animal qui vole, qui a des ailes, des pieds et des antennes. À la planche 7, que j'ai ici, voilà. La réponse va aussi dans le sens d'une altération de l'intégrité corporelle. Ben répond « deux filles qui dansent », ce qui est une réponse plutôt sympathique, intéressante,
comme disent les psychanalystes, libidinalisée. Mais ça se gâte. Deux filles qui dansent, trois points de suspension. On dirait que leur tête, elle est cassée ou tordue. La plupart des représentations de relations qui sont apportées à cette épreuve sont des relations en double. Je vois deux bonhommes, deux filles qui dansent et qui se fixent. Ou alors des relations étranges et inquiétantes. Pareil pour ce qui concerne les images parentales, les imagos, donc les images intérieures, elles ont toujours une dimension très menaçante. À la planche 1, il avait dit un papillon qui est plus gros que les autres, qui a l'air, qui est énorme et qui a l'air méchant, il a deux petits bras comme s'il voulait étrangler quelqu'un. À la planche 9, j'ai l'impression de voir un éléphant à l'intérieur d'un robot. Il a une armure avec des bras et des jambes, réponse qui pourrait renvoyer à une perception mécanique et dévitalisée du ventre maternel. Les mécanismes de défense mis en évidence par le Rorschach sont majoritairement du registre du clivage et de l'identification projective. Ils permettent sans doute, ils ont une valence positive, puisqu'ils permettent sans doute de maintenir Ben dans une tentative d'organisation face à un risque de confusion. Alors, le TAT que j'ai proposé à Ben à la suite du Rorschach a une tonalité qui est très proche de celle du que celle du Rorschach, justement. Donc le TAT, je le rappelle, sont des images figuratives dans lesquelles il est demandé au sujet, la consigne, c'est de raconter une histoire. Et à partir de l'histoire, nous faisons une analyse du contenu avec une feuille de dépouillement qui est différente selon les méthodes utilisées. Le TAT, donc, je le disais, a une tonalité proche de celle du Rorschach. Les récits sont souvent infiltrés de malveillance et de menaces. Le thème de la mort est très présent et apparaît sur le mode de persévération, c'est-à-dire de répétition très nombreuse. Face aux sollicitations latentes du matériel, le discours de Ben présente des signes de désorganisation. Ainsi, à la planche 1, alors on ne voit pas très bien, je vais vous lire une partie de sa réponse. C'est un enfant qui regarde un violon et il se concentre, réfléchit, bon. Il pense à quelque chose et il est sur une table, lui, dans une chambre. On perçoit là, dans la cotation, donc on va être plutôt sur la série E, et donc des effets d'une désorganisation spatiale. À la planche 2, le discours est aussi débordé par la crudité du thème qu'il aborde. Ben dit « La dame avec les livres regarderait un meurtre, mais elle n'est pas choquée. » La planche 3BM « Une dame qui s'est craqué le cou et elle est morte. » On retrouve la thématique qu'il avait déjà évoquée au Rorschach. Les procédés du discours sont majoritairement situés dans un registre pulsionnel dont la massivité ne peut être endiguée dans une histoire cohérente. Le registre de la conflictualité est rabattu à un niveau prégénital et l'organisation oedipienne n'est pour le moment pas structurante. Les objets internes, c'est-à-dire les relations avec ses propres objets, sont marqués par l'avidité et ne permettent pas à Ben de trouver des ressources internes rassurantes. Alors, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de vous apporter la planche 13B, mais pour ceux qui la connaissent, c'est un petit enfant qui est dans l'embrasure d'une porte, tout seul, et là, dans cette planche, il livre une réponse absolument terrible. Un enfant devant une maison abandonnée, et c'est un jeune orphelin qui se mord les doigts car il a faim et il est seul et il n'y a personne qui vient le voir pour l'aider. Alors, les épreuves projectives mettent en évidence des éléments de désorganisation, ou en tout cas un risque de désorganisation de la personnalité. L'angoisse est importante, elle apparaît sous le double registre de la persécution et de la violence. La précarité des objets internes, et en particulier la relation à l'imago maternel, apparaît difficile, tant au Rorschach qu'au TAT. Alors, la problématique qui m'est apparue, je vais vous la livrer, on va la partager, peut-être qu'on pourra en discuter. Les épreuves projectives et leur interprétation clinique permettent de penser, contre toute attente préalable d'ailleurs, que Ben montre actuellement des signes de potentialité psychotique
pour reprendre l'expression de Pierre Aulagnier. Ceux-ci pourraient participer, sans qu'on puisse dégager un lien de causalité linéaire, à l'attitude de Ben au Whisk 4, qui manifeste une certaine impatience en bâillant ou en bougeant sur sa chaise, de légères incohérences dans ses réponses. Le fonctionnement intellectuel est par ailleurs plutôt homogène. Mais à la lumière des épreuves projectives, on peut penser que des mécanismes de clivage protègent actuellement Ben d'un risque de désorganisation de la pensée et lui permettent de maintenir une bonne capacité d'investissement du scolaire. Son intérêt pour les chiffres, mis en évidence au WISC 4, peut, selon nous, procéder du même clivage. Ben pourrait ainsi, à distance d'un fonctionnement psychique chaotique et confus, qui se révèle davantage dans les épreuves... Il pourrait être ainsi à distance d'un fonctionnement psychique et chaotique qui se révèle davantage dans les épreuves verbales et à complètement d'image. Parmi les points forts du fonctionnement actuel de Ben, on peut révéler un certain investissement de la pensée et un vrai plaisir à fonctionner intellectuellement. Il s'agit d'un jeune adolescent, ce qui est en soi un atout, dont la famille est en mesure de se mobiliser, ce qui, selon moi, constitue un autre atout très important. Parmi les points faibles, et contre toute attente, comme je l'ai dit, les tests projectifs ont permis de mettre en évidence une vulnérabilité identitaire et des incohérences dans le rapport à la réalité. Il est possible de se demander si les difficultés naissantes, au point de vue comportemental, et les distorsions cognitives à minima, telles qu'elles ont pu être mises en évidence au WISC 4, relèvent d'une désorganisation transitoire liée aux transformations pubertaires, en somme, la crise d'adolescence, qui traverse plus ou moins tout à chacun, ou si elles trouvent leur origine dans une fragilité plus ancienne, ce que semblent montrer les projectifs. Si ce lien reste encore à établir, l'utilité du bilan approfondi aura été de révéler la très grande fragilité psychique de Ben, ce que seuls les éléments cliniques et l'évaluation cognitive ne pouvaient, à mon sens, laisser soupçonner. Dès lors, puisque effectivement la question est aussi orientée et surtout vers le patient et des stratégies thérapeutiques ou des propositions thérapeutiques, comment aider Ben face aux difficultés qu'il rencontre ou qu'il pourrait être amené à rencontrer, puisqu'effectivement, sans doute qu'à la faveur d'un clivage, les choses tiennent actuellement plus ou moins. Alors, c'est en tentant de saisir les différents éléments en tension lors de ces entretiens que j'ai privilégié l'orientation vers la poursuite de consultations pédopsychiatriques. L'éclairage du bilan et ces consultations permettront de concert d'accompagner Ben vers un suivi psychothérapique, à mon avis nécessaire, mais sans doute prématuré pour le moment, du fait des grandes angoisses de persécution qu'il avait manifestées au Rorschach. Je vous remercie.